Il y en a un autre là, il va bouger ou pas? Faut pas que je me fasse gauler par la lampe. Ah, la lampe. À toi, vas-y. Voilà. Tu vois qu'il peut servir à quelque chose. Et maintenant, le seul moyen pas celui-là sans se faire repérer, oh, le boulet. C'est de grimper au poteau téléphonique et de se suspendre au câble. On peut pas. Ce fichu poteau est juste sous les yeux du garde. Je sais, mais on peut pas faire autrement. Écoute, je vais essayer de le faire regarder la lumière. Pendant ce temps-là, toi, tu cours escalader le poteau. Je vais essayer de me débrouiller pour que t'aies assez de temps. Ok, mais toi, tu me rejoins comment? On se retrouvera à la maison. Tu me raconteras tout ce que tu as vu. Au moins, comme ça, on saura s'il y a vraiment une soucoupe volante dans ce foutu hangar. Oh, putain. Go! Cours, Marcus! Ah, il est où? Il est là. C'est à toi de jouer, Lucas! Hé! Hey, mais qu'est-ce que tu fabriques ici, toi? Normal. Je cherche mon chat, monsieur. Il s'est enfui de la maison. Il était sur la poubelle, mais il a réussi à se sauver avant que je le rattrape. T'es un des fils Kane, c'est ça? Allez, rentre chez toi, petit. Tu devrais pas te balader dehors tout seul à cette heure-ci. Mais mon chat, monsieur. On le retrouvera demain. Allez, rentre chez toi maintenant. Je veux que je fasse quoi? Attends, je suis là, ok. Oh, j'ai cru que j'allais jamais faire demi-tour. Maintenant. Allez. Attention à la lumière. Maintenant. Ouh, la lumière. De justesse. Voilà, fait des ronds. Attention. Ok, ça c'est bon. Et la prochaine. Ah, c'est bon. Oh, les écharpes dans le dos. Allez. Ok, c'est par là. Juste pas se faire gueuler par la lumière quoi. Attends, celle-là elle est chimique, je vais attendre qu'elle vienne. Ah, ça va, si je le hangar. J'étais venu sans prévenir personne, pas même Tyler. Tout ce que je savais c'était que je devais trouver la tombe d'une personne dont l'enterrement avait eu lieu le matin même. Yeah! Tiffany Harper, l'ex-petite amie de Lucas. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oula. Ah, je suis perdu, je vois rien.
C'était une fille bien. Elle n'avait rien à voir avec toute cette histoire de dingue. Qu'est-ce que ce bordel voit rien? Vous avez du courage, monsieur Kane. M'appeler à mon bureau pour me proposer un rendez-vous alors que tous les flics du pays sont à vos trousses. Je ne m'attendais pas à ça. Votre enquête comporte encore trop de zones d'ombre pour que vous puissiez vous contenter de la seule version officielle, n'est-ce pas? Oh, vous êtes venu parce que vous serez la suite au prochain épisode. Vous pourrez avoir la réponse à vos questions. Et alors? Moins 40 degrés. Je ne connais pas son nom. Je ne suis même pas sûr que qui que ce soit le connaisse. Tout ce que je sais, c'est que c'est un oracle maya et qu'il a le pouvoir de ne pas laisser de traces dans la mémoire de ceux qui le voient. Non, elle est pas là. L'oracle n'agit pas seul, n'est-ce pas? Il appartient à une caste secrète, un clan qui réunit les êtres les plus puissants de la planète. Leur pouvoir n'a aucune limite, et ils sont prêts à tout pour s'emparer de l'enfant Indigo. Vous voulez dire le clan des Oranges? Vous avez déjà entendu parler d'eux? Je suis allé voir un des meurtriers dans un asile. Il m'a parlé des Oranges. Tout ça est incroyable. Mais son histoire est cohérente. Et elle recoupe ce que je savais déjà. Et votre appartement? Quand on est venu pour vous arrêter, les murs étaient couverts de symboles rituels et de coupures de journaux du meurtre du restaurant. C'était une mise en scène pour faire de moi le coupable idéal. L'oracle et les Oranges étaient derrière tout ça. Il y a eu d'autres meurtres similaires, n'est-ce pas? L'oracle attend l'enfant Indigo depuis très longtemps, plus de 2000 ans. Mais il ne savait pas quand ni où elle arriverait. Il devait donc faire des sacrifices régulièrement pour pouvoir la localiser dès qu'elle viendrait au monde. Et vous, quel rôle jouez-vous dans tout ça? Je suis juste une des victimes de l'oracle, rien d'autre. Comment avez-vous appris tout ça? Tu as volé, je volé, le sais, volé, c'est tout. L'orange des marchands. La question n'est pas de savoir si ce que je dis est vrai ou pas. La question c'est, allez-vous m'aider? Vous aider? Pourquoi est-ce que je vous aiderais? Pour la même raison que vous avez accepté de venir ce matin, sans prévenir personne. Parce que vous savez que je dis la vérité. Parce que si nous ne faisons rien rapidement, le froid va recouvrir la planète entière et qu'il n'y aura pas de lendemain. Et même si vous aviez raison, qu'est-ce qu'on peut faire? Personne ne croira à cette histoire. Et si l'oracle a vraiment ses pouvoirs, qu'est-ce qu'on peut faire contre lui? Retrouver l'enfant Indigo avant qu'il ne le fasse, et la mettre en lieu sûr. Vous savez où elle se trouve? Pas encore, mais je vais le découvrir. Je vois par les yeux de l'oracle pendant ses visions. S'il la voit, je la vois. Tout ça est complètement dingue. Je n'arrive pas à croire que je suis là, en train de parler de sauver l'humanité avec un type recherché par toutes les polices du pays. Vous êtes libre de choisir votre camp. Vous pouvez m'arrêter, ou vous pouvez me croire et m'aider à sauver l'enfant. Mais décidez-vous vite. Je n'ai pas beaucoup de temps. Qu'est-ce que je dois faire? S'il ment, je vais aider un meurtrier et finir en prison. Et si ce qu'il dit est vrai, je dois l'aider. Ah, donc, soit vous êtes un fou, soit vous êtes un héros. Ni l'un ni l'autre, j'étais juste au mauvais endroit, au mauvais moment. Ok, bon, c'est parti avec Carla. La quasi-totalité du pays n'est plus alimentée en eau ni en électricité. L'armée s'est mobilisée pour aider les réfugiés et distribuer les vivres, mais le froid et la neige gênent leur déplacement. De son côté, l'aviation est clouée au sol en raison des tempêtes de neige, et les scientifiques n'ont toujours aucune explication à cette vague de froid qui recouvre maintenant toute la planète. Les températures continuent de chuter un peu partout dans le monde, alors que les autorités vont se... Voilà, on a fait notre boulot. Maintenant, c'est aux militaires de faire ce qu'ils peuvent pour aider la population.
Tu devrais aller dormir, Carla. T'as pas fermé l'œil depuis 2 jours. Il faudrait que je me réchauffe pour ça. Je suis gelée de la tête aux pieds. Écoute, est-ce que je peux te parler sérieusement une minute, Carla ? Je crois que c'est le moment ou jamais. J'ai comme l'impression que tu m'as caché quelque chose sur l'affaire Kane. Je me trompe ? Ah oui. C'est vrai, j'avoue. Je l'ai retrouvé. Mais je pense qu'il est innocent. Je ne t'ai rien dit parce que je ne voulais pas te mouiller, Tyler. Tu m'en veux ? Non, bien sûr que non. En plus, avec tout ce qui se passe en ce moment, ça n'a plus vraiment d'importance. Hakuna Matata ! Tu sais, tant que t'écoutes ta conscience, tu peux pas te tromper. Sans aucun souci. Philosophie, il y en a un qui va se faire larguer. Mais bébé, qu'est-ce que tu fais là ? Oh, non, ça se touche pas, ce petit con. Sam, qu'est-ce que tu fais là, bébé ? Il y a un train qui part dans 1 heure pour la Floride. Il n'y en aura probablement pas d'autre avant longtemps. Je vais le prendre, Tyler. Avec ou sans toi. Si tu m'aimes vraiment, quitte la police et viens avec moi. Oh, la connasse. Quand ce froid aura disparu, on recommencera une autre vie. Une vie normale. Il faut que tu fasses un choix, Tyler. Ah, je reste. Il m'a fallu longtemps pour savoir qui j'étais et où était ma place, Sam. Maintenant, je le sais. Il y a des gens qui ont besoin d'aide et qui comptent sur moi. Ma place est ici, avec Ouh, eux. Merde. Je me sens utile. Je fais quelque chose de bien. Je t'aime, Sam. Je ne peux pas changer ce que je suis. Je comprends. Je ne sais pas ce qui va arriver à cette planète, mais... Je te souhaite bonne chance, Tyler. Il s'embrasse pour... Elle est vraiment nulle, celle-là. Ça sent, ouais. Elle se barre et l'embrasse, quoi. Tu m'as fait perdre 85 points de... Du je sais pas quoi. Elle m'a claqué. Tu veux sortir avec moi? Je vais rejoindre Jeffrey et Doug. Ils descendent pour faire la tournée des quartiers sud et vérifier qu'il y a plus personne. Pour faire la descente des bars. Tyler? Tant que tu écoutes ta conscience, tu ne peux pas te tromper. Bonne chance à toi, Carla. Je sais pas comment tout ça va finir, mais j'espère que tout baignera pour toi. Putain, au moment où je filme ça, il fait aussi froid ici que chez dans le jeu, quoi. Oh oh, merde, ça craint du boudin. C'est quoi ça? J'aime pas les petites filles. Qu'est-ce que tu me veux? Une orpheline. Putain, il ressemble de plus en plus à un zombie. Oula. Pas tout compris. C'est ici. Tu es sûr que tu sais ce que tu fais? L'oracle a vu l'enfant, tout comme moi. Il va venir la chercher d'une minute à l'autre. Il faut que je la trouve avant lui. Attends-moi ici. Putain, mais je suis au chaud dans ma chambre, mais il faut qu'il mette encore un temps comme ça, mais ça me donne froid, moi. La vache. Mais tu es en pull dehors, normal. Je n'ai pas de temps à perdre. Il faut que je trouve l'enfant avant. Ok, c'est parti, on va trouver l'enfant. C'est Fort Boyard. Trouve l'enfant! Sors, t'as plus de temps!